Bonsoir. Écoutez, le monde important sur TED ce soir, c'est vous autres. En fait, c'est 8 élèves qui vont se lancer dans une belle aventure. Moi, je me souviens quand j'avais 11-12 ans, ça s'appelait pas TED, évidemment, mais il y avait un club optimiste qui faisait ça, des concours de présentation oratoire. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait peut-être un appel pour moi, c'est-à-dire que l'idée de parler à des gens, ça pouvait peut-être m'aider à prendre confiance puis orienter un peu ma vie. Il y a évidemment l'adrénaline, hein? Il y a le plaisir de parler à d'autres personnes qui est vraiment, on découvre ça puis on se dit je veux peut-être réutiliser ça dans ma vie. Moi, je veux remercier les parents, premièrement, d'être là, parce que parler comme ça dans un TED Talk, les gens qui sont présents sont importants aussi, là, parce que veux, veux pas, même si vous avez bien écouté, vous avez bien regardé, c'est important que vous soyez là. Ça nous donne, votre réaction non-verbale nous donne, hein, quand on fait ça, on nous donne des feedbacks, ça nous aide à se repérer. Les jeunes le savent, si jamais ils s'enfargent un petit peu ou si jamais il y a quoi que ce soit, ils vont continuer. Hein, ils ne bloquent pas, on continue, on ne lâche pas jusqu'à la fin. Je les connais, je ne les connais pas aussi bien que vous autres, évidemment, là, mais je sais que c'est des gens remplis de talent et en plus, ils vont vous parler d'idées qui changent le monde. On ne sait pas qu'est-ce que cette présentation-là, ce soir, peut changer dans leur monde. Alors, je suis très, très animé, très excité, moi aussi. J'ai hâte de voir le résultat parce que c'est la beauté de TED. C'est que ce soir, on sème quelque chose. Ça va aboutir sur vidéo. Et la vidéo, après, on laisse ça aller. On n'a plus le contrôle de ce que ça va donner. Il y a des gens de partout qui peuvent regarder ça. Le TEDx que vous allez regarder, ça fait quelques années que j'ai fait ça, mais à chaque 2-3 mois, c'est pas rare que quelqu'un qui me contacte pour me dire « Ah, je vous ai vu sur TEDx, puis j'ai une question à vous poser, ou c'est le début d'un échange. » Alors, ce soir, les étudiants vont lancer quelque chose dans l'océan et puis on va voir comment ça va arriver. Alors, je salue, je souhaite bonne chance aux élèves et puis je vais terminer en citant Kylie Bossy qui, lorsque j'étais allé à la dernière conférence de Claire, elle avait envoyé sur Twitter une petite phrase qui était, en tout cas, qui m'était restée dans les oreilles parce que c'était un des tweets, très, très importants qui avait été retenu, hein? Je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Alors, c'est ça qu'on se dit pour ce soir. Et puis, merci beaucoup de l'invitation. Presque déçu de ne pas être assis dans la même salle que vous autres. Au revoir.